100% Dragon, le podcast dédié aux Drags catalans de Perpignan, produit par la rédaction du journal L'Indépendant. Les maîtres du jeu, c'est de la sorte que Bruno Ontenienne titrait ce dimanche matin la page sport consacrée aux Dragons catalans. Hier soir, samedi 29 mai 2021, les Drags de Steve McNamara ont humilié les Warriors de Wigan, jusqu'ici invaincus en Super League. Intelligents, créatifs et animés par une énorme détermination défensive, les Dragons ont régalé les 1000 spectateurs de Gilbert Brutus en menant déjà 16-0 à la mi-temps. Conscients de leur potentiel, les Dragons ont pris une autre dimension suite à la gifle, les éliminant en quart de cup contre Warrington. Après le premier tiers de la saison régulière, les Catalans s'installent dans un trio de tête avec 87,5% de victoire et se placent deuxième à la différence de points derrière Saint-Hélens et devant leurs adversaires du jour. Les Dragons ont fêté hier leurs détracteurs sous le soleil de Brutus en enchaînant une deuxième performance face à un gros. Emmené par Garcia, Bousquet, Casiano, Perpignan a frappé fort sur les Warriors en inscrivant 8 essais signés McIlrom à la 7e, un doublé de Tompkins à la 19e et 39e, une réalisation de Mourgue à la 52e et un doublé coup sur coup de Drinkwater. Mac Micken et Laguerre ont parachevé la domination des Dragons pour une victoire nette 48-0 sans concéder le moindre point face aux Cherry and White. Les Drags s'offrent un 7-8 historique depuis le début de la saison et peuvent sereinement continuer à travailler après cette performance exceptionnelle avant de reprendre le chemin de la Super League le 12 juin prochain face aux Centurions, les promus de l'AI, dernier du classement de Betfred Super League. C'était 100% Dragon, le podcast 100% dédié au club de rugby à 13 de Perpignan, réalisé à partir des écrits de Bruno Ontenient.